En midi, il est intitulé « Les grands défis de la mobilité dans la région mulhousienne et le sud d'Alsace ». On va se caler sur plusieurs travaux qu'on a réalisés récemment, il y a une ou deux années. Donc, premier travail, un panorama des mobilités au niveau de M2A du sud d'Alsace, et ce panorama mesure les évolutions 2019 des transports au niveau de nos territoires. Une autre étude consacrée aux mobilités 2030 dans la région mulhousienne et une dernière étude qui traite de la voiture électrique et de ses bornes de recharge. Toutes ces publications sont consultables sur notre site internet www.aurm.org. On va également aborder la question cartographique, car dans le domaine des transports et de la mobilité, on réalise un certain nombre de cartographies au niveau de l'agence d'urbanisme. Et cet avant-midi est l'occasion pour Luc de vous présenter la partie un peu back-office, technique, et également des exemples de réalisation de cartographie transport au niveau qui sont mobilisés dans les différentes études. Donc, sans plus tarder, je vais attaquer tout de suite par une présentation qui porte sur la mobilité dans la région mulhousienne. On fait un point sur l'état des lieux, les objectifs atteints pour M2A, pourquoi et comment au moyen d'exemples. L'idée, c'est vraiment de donner un certain nombre de repères et de pointer les ruptures qui traversent nos territoires. Tout d'abord, petit rappel sur ce qu'est un déplacement. Un déplacement, c'est un point de départ, un point d'arrivée. C'est un motif, on se déplace pour travailler, pour aller faire ses courses, pour aller à l'école, et on utilise un mode de transport. C'est une notion qu'on retrouvera dans la suite des présentations qui est important d'appréhender. On a également mobilisé des chiffres clés sur les transports et mobilités à l'échelle nationale pour avoir quelques repères. En France, en général, les habitants font trois déplacements par jour et par personne. Ils consacrent 1h02 à leur déplacement quotidien. 42% des trajets de moins de 1 km sont réalisés en voiture pour aller travailler, ce qui est aberrant. C'est vraiment une part modale qui doit nous interpeller pour faire évoluer les pratiques. 63% des déplacements sont effectués en voiture et on compte en moyenne seulement 1,2 personnes par voiture pour un déplacement, alors que la plupart des véhicules proposent 5 places de transport. Donc, on a un poids qui est très important de la voiture. On a également regardé au niveau national comment on se déplaçait en agglomération, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. On remarque que la part de la voiture reste majoritaire. 59% des déplacements sont réalisés en voiture, mais la marche à pied, les transports en commun et le vélo pèsent également un poids non négligeable, environ un tiers des déplacements. Par contre, dès qu'on sort des agglomérations, dans les secteurs périurbains et dans les secteurs peu denses, ruraux, la voiture, elle est omniprésente, il n'y a pas de solution alternative, il y a peu de transports en commun, et la voiture pèse 80% des déplacements. Donc, on a un impact qui est très fort du lieu de résidence sur les pratiques de déplacement. On a regardé également la situation en termes de mobilité au niveau de L2A sur les deux dernières décennies, donc entre 2000 et 2019. Ce qu'on a constaté, c'est que le trafic routier a augmenté de 18%, une dynamique qui est à rebours de l'histoire, et c'est une dynamique qu'on retrouve même au niveau national. Et on a seulement réduit de 3% les émissions de gaz à effet de serre transport, alors que sur les 20 dernières années, les gaz à effet de serre générés par l'habitat ont baissé de 18% et ceux générés par l'industrie de 40%. On a une offre et une utilisation qui reste modeste au niveau des transports en commun, mis à part pour le TER, qui a vu sa fréquentation fortement augmenter depuis les années 2000, de plus de 50%. Au niveau du réseau Solea, on a une fréquentation qui plafonne à 110 000 voyages depuis 2010, depuis l'arrivée du train-train. Au niveau du vélo, on a seulement 3% de part modale vélo, mais on a une croissance récente de la pratique, notamment, ça soit notamment via les chiffres de Vélocité. On a une place encore limitée accordée aux piétons. Donc, d'une façon générale, au niveau de l'agglomération mulhousienne et du sud Alsace, on a une voiture qui prend de plus en plus de place.
Alors ça, c'est la situation avant Covid. Mais depuis, on a eu un certain nombre de ruptures, un certain nombre d'événements. Donc on a eu notamment la rupture liée au Covid-19 qui a requestionné profondément les pratiques de mobilité et qui les requestionne toujours. On a un boom du télétravail. Est-ce que ce boom va se poursuivre? Est-ce qu'on va aller vers une démobilité? Donc ça, seul l'avenir nous le dira. On a également une baisse de la fréquentation des TC. Solea a vu sa fréquentation baisser de 20 à 30 %. On a également eu un essor du vélo, même si au niveau de l'agglomération, on n'a pas eu de traduction significative de ce rebond. Donc tout l'enjeu, c'est de rebondir vers une mobilité durable. On a également des ruptures au niveau des pratiques de déplacement. On a par exemple l'essor du vélo à assistance électrique. Plus de 500 vélos à assistance électrique se sont vendus en 2020. On a eu plus de 200 000 véhicules électriques également qui ont été vendus l'année dernière. Et on a un mouvement vers la gratuité des réseaux de transport collectif qui est en cours au niveau français. Donc on a des changements qui sont assez importants. On a également des ruptures au niveau législatif avec le plan national vélo, qui a pour objectif de faire passer la part modale du vélo de 3 à 9 % d'ici 2024. On a la loi d'orientation des mobilités qui a pour objectif notamment de réduire de 37,5 % les émissions de CO2 d'ici à 2030, avec un objectif de neutralité carbone à 2050. On a une stratégie nationale hydrogène qui parle de mobilité lourde décarbonée. Et on a le projet de loi climat avec l'instauration de la zone à faible émission mobilité pour les agglomérations supérieures à 150 000 habitants. Donc ça, c'est une loi qui est en cours de discussion. Il va donc falloir faire un virage à 90 degrés. Alors on peut se dire, est-ce qu'on va l'atteindre? Donc on a également des ruptures en termes de pratiques de mobilité qui ont été affichés dans le cadre du Conseil participatif du plan climat, notamment au niveau M2A. Par exemple, actuellement, la part modale voiture des déplacements se situe aux alentours de 63 %. Le Conseil participatif a fixé une part modale à l'horizon 2030 à 40 %. On n'est vraiment pas dans une inflexion de la courbe, mais dans une rupture. Au niveau de la marche à pied, l'idée serait de passer de 24 à 30 %, au niveau des transports collectifs, d'atteindre les 15 %. Donc, on a une très forte ambition. Et par rapport à cette ambition, on peut se dire comment faire? Est-ce que c'est possible d'atteindre un tel objectif? Alors, c'est possible en améliorant d'une part la performance des modes encouragés à développer, à savoir le tramway, le bus, le TER, le vélo, le covoiturage, etc. Et en réduisant la performance du mode à décourager, à savoir la voiture, en jouant par exemple sur le coût de stationnement, sur sa vitesse, sur la place de la voiture en ville. Donc, c'est vraiment le logiciel, c'est vraiment l'entrée pour changer de mode de transport. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça paraît envisageable? La réponse est oui. D'autres agglomérations l'ont fait. On a l'exemple de Pontevedra, qui est une commune de 80 000 habitants située en Espagne, en Galice. Donc, elle a fait le choix à la fin des années 90 de piétonniser son centre-ville. Et l'une de ses premières mesures, ça a été d'interdire le transit de la voiture à travers le centre-ville de la commune. Il y a eu également un important travail de fait sur l'espace public pour encourager les déplacements piétons et un plan piéton a été créé, le Metro Minuto. Ça ressemble vraiment à un plan de métro, sauf qu'au lieu d'avoir des lignes de métro, on a des axes piétons avec la distance et la durée du déplacement à pied. Donc le résultat est sans appel puisque Pontevedra a réussi à réduire le trafic voiture au centre de sa commune de 90 %. La pollution a diminué d'une soixantaine de pourcents. L'accidentologie a été divisée par deux et il n'y a plus de tués sur les routes, donc ce qui est une bonne nouvelle. Et en plus, il y a eu le maintien et le renforcement du commerce local. Donc passer du tout voiture au piéton-voie, c'est possible. Pontevedra l'a fait. On a un exemple en Belgique.
à Gand, où la commune a uniquement agi sur le plan de circulation en interdisant justement la traversée par les voitures du centre-ville de la commune, en créant un système de boucles et qui permet d'éviter le centre-ville. Donc il y a eu moins d'aménagements lourds qu'à Pontevedra, mais ça a permis d'avoir une baisse rapide du trafic routier. Au bout d'un an, suite au changement du plan de circulation, le trafic routier a baissé de 18% environ, le trafic vélo a augmenté d'une vingtaine de pourcents et la pollution a été réduite, je crois, d'une vingtaine de pourcents. Donc c'est une réponse quand même assez rapide hein, dès qu'on joue sur le plan de circulation. On a l'exemple de Münster en Allemagne, commune de 302 000 habitants. Donc Münster, c'est la capitale mondiale du vélo. On a 40% des déplacements qui sont réalisés en bicyclette. Alors, pourquoi on est à un tel niveau? Première explication, c'est qu'on a une configuration urbaine favorable, on a très dense et plate. Deuxième facteur explicatif, c'est que la collectivité a créé de façon continue des aménagements cyclables, des pistes cyclables hein, depuis des décennies, et a également créé des stationnements vélos. Donc tout cela a concouru à vraiment à développer la pratique du vélo d'une façon très très forte. On a un autre exemple, c'est Genève, où il faut remonter un petit peu le temps. Dans les années 80, à Genève, il n'y avait plus qu'une seule ligne de tramway et la voiture était particulièrement présente. Le canton, après, a eu une action forte en termes de développement de réseau de tramway ainsi que l'ambition de développer un RER trinational au-delà des frontières suisses, hein, en lien avec la France. Et cela a porté ses fruits puisque la part modale transport collectif est passée de 13% en 2000 à 17% en 2017. Donc c'est un pas vraiment significatif et cela s'est fait avec 4 lignes de tram en plus et avec un accroissement très très fort en termes d'offres et des investissements aussi conséquents. Plus près de chez nous, on a Fribourg, à une cinquantaine de kilomètres. Alors l'exemple de Fribourg est aussi très intéressant, parce que dans les années 60, Fribourg était aussi dans une logique de tout voiture, de démantèlement de son réseau de tramway. Au début des années 70, il ne restait plus que 2 lignes de tramway à Fribourg, et la municipalité a fait le choix de piétonniser son centre-ville, à faire des parkings en périphérie du centre. Et petit à petit, il y a une politique vertueuse qui s'est instaurée au niveau des mobilités avec le développement du réseau de tramway. Aujourd'hui, il y a 5 lignes de tramway, avec le développement d'un réseau cyclable, la généralisation des zones 30, la création de l'équivalent d'une ZFE, d'une zone à faible émission au niveau de la commune. Et au-delà des mesures mobilité, il y a une ambition forte d'articulation entre urbanisme et transport. Par exemple, la création du quartier Vauban et du quartier Risefeld s'est fait en lien avec des extensions tramway. Du coup, les résultats sont sans appel. La part de la voiture est passée de 38% en 82 à 21% en 2016. Le vélo a littéralement explosé en passant de 15 à 34%. Et le TC se maintient à un très haut niveau, 16%, mais c'est une part modale très très forte. Strasbourg se situe à peu près dans le même ordre d'idée. Donc Fribourg a vraiment eu cette démarche continue dans le temps. Alors au-delà de ces exemples, pour réfléchir au champ des possibles, il est aussi important de réfléchir et d'avoir des ordres de grandeur par rapport à des coûts d'investissement. Donc sur le tableau à gauche, on présente des prix d'infrastructure au kilomètre. Donc une autoroute urbaine, par exemple, ça coûte 100 millions d'euros au kilomètre. Si on a 100 millions d'euros, on est capable de créer 5 km de tramway. Tramway, c'est 20 millions d'euros du kilomètre. Ou 250 km de belles pistes cyclables au niveau de l'agglomération. On a fait également un raisonnement inversé. Qu'est-ce que je peux faire avec 5 millions d'euros? Avec 5 millions d'euros, je peux créer plus de 12 km de pistes cyclables. Je peux créer 250 mètres de tramway et 10 mètres d'autoroute urbaine. Donc, l'une des conclusions, c'est que le cyclable, c'est des aménagements vraiment à petit prix et qui peuvent être efficaces. Donc, une fois qu'on a dit tout ça,
L'ensemble des éléments issus des études Panorama Mobilité 2030 sont des éléments qui vont alimenter la stratégie des mobilités durables de N2A qui est en cours d'élaboration par les élus. Et en fait, ces études, on n'aurait pas pu les faire sans l'appui technique du cartographe de l'agence, Luc, qui va vous présenter au niveau des diapos suivantes tout le travail qui a été réalisé. Merci Stéphane. Alors, cette présentation a un peu une intermède technique au niveau transport après la présentation de Stéphane, c'est de se dire que voilà, on a des chiffres, on observe des tendances, on compare des millésimes, et bien ces données, elles n'existent pas forcément et il faut les produire. Un certain nombre de données proviennent de l'INSEE, un peu, si j'ose dire, tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qu'il faut produire un peu de différentes manières pour pouvoir observer les phénomènes et l'évolution des comportements en termes de transport sur l'agglomération. Donc, cette présentation aujourd'hui, ce n'est pas le dessous des cartes, mais ce serait l'arrière des cartes et de, voilà, à travers quelques exemples, essayer de comprendre quelle méthode a été mise en place pour sortir les chiffres et les cartes que vous voyez dans les études de transport. Alors, en préambule, déjà, je voulais revenir un peu sur le concept de, enfin, la définition de la discipline géomatique. Donc, c'est une contraction finalement de la géographie et de l'informatique. Et en fait, c'est une discipline qui permet d'ajouter un aspect spatial aux statistiques. On peut recevoir des données provenant de l'INSEE sur le recensement, sur le nombre d'emplois, mais la géomatique permet d'ajouter l'aspect spatial et donc de transformer une population d'une commune, par exemple, de la transformer en densité. Voilà, je vais prendre ma population, que je vais diviser par ma surface et je vais obtenir une densité. Et c'est ce qu'apporte la géomatique. Elle permet aussi de calculer des longueurs, de calculer des temps de parcours, par exemple, et de parfois changer complètement le point de vue sur des données. À l'agence, donc, je suis géomaticien et je travaille également avec Marion Schaeffer, qui est statisticienne. Et en fait, on a une chaîne de traitement qui nous permet de produire les chiffres et les cartes que vous pouvez voir dans nos publications. Alors, je vais reprendre cette chaîne de traitement. Déjà, à la phase d'acquisition, on récupère une donnée brute qui provient soit de partenaires, comme M2A qui le fait à travers son open data ou à travers des conventions. Comme je l'ai dit, on passe également par des open data ou parfois, quand on en a besoin, on crée manuellement la donnée. C'est un peu de l'artisanat, c'est-à-dire que la donnée n'existe pas du tout. On a une question d'un chargé d'études ou de commanditaire et il faut créer la donnée, il faut pouvoir quantifier les phénomènes. Ces données, une fois qu'elles sont acquises, on va les garder dans des bases de données. Donc j'ai ajouté deux noms de logiciels, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc Access et Office, et donc ces bases de données, c'est un peu nos librairies de données. On va garder tous les millésimes possibles et on va essayer de revenir le plus loin possible également en arrière pour avoir une rétrospective de nos et de l'évolution de nos bases de données. Alors, quand on parle de bases de données en SIG, on parle de donc le SIG, système d'information géographique, qui correspond à la géomatique. On parle en général de couches. Et en fait, ces couches, si on prend une carte topographique, par exemple, on va avoir une couche sur laquelle on aura le réseau routier, une autre couche où on aura les forêts, une autre couche où on aura le bâti. Et la superposition de ces différentes couches, de ces différentes données, nous permettent à la fin d'avoir la carte topographique qu'on utilise pour faire de la redonnée, par exemple. Ces bases de données, par la suite, on va les traiter. J'ai évoqué ici deux logiciels de SIG, donc QGIS et ArcGIS, il en existe d'autres. Et le traitement SIG, ça va être soit de prendre des données statistiques qui ne sont pas forcément géolocalisées, telles qu'une population, et de la croiser avec une information géographique et par la suite de cartographier, mais ça va être aussi de croiser deux couches différentes. Si je prends l'exemple encore une fois de ma randonnée, j'ai ma couche avec mes courbes de niveau qui me permettent d'avoir l'information sur le dénivelé. Je vais pouvoir croiser mon chemin avec cette couche d'information d'altitude, et ce qui va pouvoir me permettre de sortir un dénivelé ou des profils topographiques, par exemple.
Et à la suite de ces traitements, donc on va chercher à valoriser, à cartographier les chiffres. Donc, il y a l'aspect cartographie, mais du fait qu'on ait besoin parfois de passer par du spatial pour produire des données, il y a aussi des chiffres clés qui ne sont pas forcément des cartes, mais qui nécessitent l'utilisation de la géomatique pour être produit. Encore une fois, une densité, un pourcentage d'évolution sur l'extension d'un tram, par exemple, ou quoi. On aura besoin en amont de mesurer une longueur. Le préambule est terminé, les aspects techniques aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un peu trois types d'acquisition de données et de traitement. Donc, un suivi de mise à jour de base de données à travers le réseau cyclable et le réseau à grande vitesse autour de Mulhouse. Présenter l'analyse de l'accessibilité, qui est une richesse qu'on a à l'agence de pouvoir calculer. Et la création de bases de données existantes. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on part de rien quasiment et qu'on doit cartographier et présenter des phénomènes. Alors, mon premier exemple ici, vous avez le réseau cyclable tel qu'il existait avant 2011. Donc, on peut voir qu'on avait déjà pas mal de réseaux. Il faut dire qu'en 2011, M2A n'était pas M2A actuellement. Donc, l'agglomération mulhousienne, ici, on est à l'échelle du pays, si je ne me trompe pas, de la région mulhousienne, qui n'était pas à l'époque le territoire d'action de l'EPCI. Et donc, l'agence, à l'époque, avait déjà fait un travail de recueil de tous les itinéraires cyclables pour proposer cette première cartographie. Donc, nous, à l'agence, on a dans nos bases de données le cyclable avant 2011. Et depuis, avec l'évolution de l'agglomération, ses changements en compétences, on a une mise à jour qui se fait de manière annuelle du réseau cyclable. Et donc là, vous pouvez voir quand j'utilise mon curseur que on peut mesurer l'évolution du réseau cyclable tous les ans. Et de mesurer comment ce réseau évolue et de sortir des tendances et des évolutions par rapport à des données passées. Je vais prendre un cas très concret. En 2018, donc, l'agence d'urbanisme a travaillé à l'élaboration du schéma cyclable avec M2A et donc le pôle transport. Et donc ce qu'il est possible de faire grâce à la mise à jour de ces bases de données, c'est de mesurer en fait l'état d'avancement de ce schéma directeur. Donc, le schéma directeur, c'est une vision à moyen long terme de ce qu'on est, qui serait souhaitable comme itinéraire cyclable dans l'agglomération. Et bien, grâce à ces bases de données, on peut voir qu'en 2018, on avait 57% des itinéraires structurants qui étaient couverts, qui étaient réalisés. Et si je mets aujourd'hui à jour ma base de données, je suis à 61% en janvier 2021. Je pourrais continuer à faire cette mise à jour de manière annuelle et de constater comment avancent ces travaux. Une autre thématique, cette fois-ci, sur l'évolution des temps de parcours à partir de Mulhouse en train. Donc là, en 2006, je n'étais pas dans la région, mais apparemment, Mulhouse, pour rejoindre Paris, c'était quelque chose. Donc, on peut le voir ici sur la carte, on était à plus de 3 heures de transport. En 2008, on a le TGV Grand Est qui est apparu. Puis, en 2012, on a la voie sud qui passe par la gare de Lyon et par Dijon. Et enfin, en 2019, on a des extensions vers Mannheim et vers Luxembourg. Ces cartographies, elles sont réalisables, en fait, presque de l'artisanat aussi, si je veux dire. C'est, en fait, on a gardé les fiches horaires de la SNCF, qui en soi sont des données et qui sont très importantes à conserver, qui nous permettent de retracer, en fait, les parcours tels qu'ils étaient par le passé. Alors, actuellement, la SNCF et la région Grand Est aussi, via son réseau TER, on peut récupérer leurs données via l'open data, c'est le cas aussi de Solea, par exemple, mais ces données sont écrasées. C'est-à-dire que si on va sur une plateforme d'open data, on veut récupérer, par exemple, le réseau ferré, on va avoir le dernier qui est sorti et qui fonctionne actuellement en 2021. Mais si on veut retrouver celui de 2006, eh bien, on est obligé un petit peu de bricoler, de repartir à partir du fiche horaire, qui sont une information fiable, mais qui sont... Donc, on doit bien conserver nos fiches horaires ici à l'agence pour pouvoir faire ce travail.
Alors, cette fois-ci, on change complètement de sujet. On va partir sur les cartes que vous pouvez voir, les cartes en isochrone, donc qui correspondent à ces cartographies-là que vous pouvez voir dans nos études. Ces cartes sont des cartes d'accessibilité qui permettent de calculer une aire de chalandise à partir d'un point, soit en isochrone, donc en temps de parcours, à pied, à vélo ou en voiture. Ici, on peut voir, hop, par exemple, sur ces points ici, ce sont des entrées de parc. On peut voir qu'ici, on est dans une zone à 5 minutes. Ici, une zone à 10 minutes et la zone plus rose est à 15 minutes. L'intérêt de ces isochrones et de ces isodistances ici, c'est qu'on n'utilise pas la distance à vol d'oiseau, mais la distance réelle en outil par le réseau. Le réseau qui est ici, oh, pardon. Quand je prépare, bien. Donc le réseau, vous le voyez dessous en fait avec les traits gris et qui correspondent en fait au réseau routier de la BD Topo. Donc encore une fois, des cartographies qui sont produites par l'IGN et qui sont mises à jour également par l'INSEE, ce qui permet de poser un point sur le réseau et de calculer l'accessibilité à partir de ce point. Nous avons utilisé cette technologie pour travailler sur l'accessibilité au transport en commun sur l'agglomération. Donc, grâce aux données qu'on avait conservées par le passé, on a pu refaire l'accessibilité en 2003 aux différents points, aux différents arrêts SOEA. Donc, on avait fait une classification en structurant et non structurant. Et on a pu déterminer, avec un temps de parcours de 5 minutes à pied, si je ne me trompe pas, l'accessibilité aux arrêts de transport en commun. Donc ici, vous avez 2003 et on a pu faire l'évolution en 2016. Donc 2003, on n'avait pas encore le tram. 2016, on a le tram-train qui sont arrivés et donc on a une grosse augmentation de la surface accessible aux différentes stations de tram et de réseau solaire. On a mis à jour ce travail en 2019 suite à la mise à jour du réseau. Je parlais de traitement tout à l'heure, Stéphane. Je parlais de traitement tout à l'heure. Ce réseau, ce qui est intéressant, c'est les isochrones. On peut les croiser avec des données d'INSEE et des données qui sont carroyées sur des carreaux de 200 mètres. Et on peut voir par exemple que des fois, on a des surfaces qui sont grandes, mais ça représente assez peu de population. Si je repasse en arrière, donc on a l'impression en 2016 que la surface est plus grande qu'en 2019. Or, si on regarde les graphiques, la part de la population présente dans ces isochrones a augmenté pour Mulhouse, passant de 82 à 86%. Voilà, ça nous permet de croiser des données, d'avoir des tendances sur les évolutions vis-à-vis de la mise à jour du réseau solaire. Enfin, ce network analyst d'ArcGIS nous permet également de faire des temps de parcours, de calculer des temps de parcours tels qu'on peut le faire par exemple aujourd'hui facilement sur Google. Enfin, trois dernières cartes où on a dû créer des bases de données qui n'existaient pas. Stéphane, à travers le panorama des mobilités, vous voulez connaître comment dire, le stationnement et la situation du stationnement en gare pour le vélo et les voitures. Donc, l'agence s'est rendue en gare et a compté en fait le nombre de places qui étaient présentes dans les gares et le nombre de voitures et de vélos qui étaient garés, ce qui nous a permis d'avoir un taux d'occupation. Et ce taux d'occupation, voilà, vous le voyez à travers la couleur des cercles. Et voilà, ces données n'existaient pas en tant que telles. Il a fallu qu'on les crée nous-mêmes et en se rendant sur le terrain. Et vous avez ici le stationnement cyclable, qui est un petit peu moins densément occupé, mais voilà, on a aussi cette donnée à l'échelle du Sud-Alsace. Et enfin, une dernière carte qui fera la transition avec la présentation de Stéphane. Sujet d'actualité, c'est les bornes de véhicules électriques. L'an passé, on a voulu établir un temps zéro. Donc, où en est la situation des bornes de recharge en véhicules électriques? On avait différentes sources, on avait des bases de données qui venaient de droite et de gauche. Et du coup, voilà, on a essayé de récupérer ces bases et de les compiler pour avoir quelque chose de plus exhaustif possible.
C'est ça aussi le travail de la donnée, c'est-à-dire que maintenant on a les open data, on a différentes sources et il faut vérifier pour essayer d'avoir quelque chose de le plus solide possible pour pouvoir après argumenter et présenter des évolutions qui sont qui soient le plus juste et le plus proche et le plus réel. Donc cette base de données sera mise à jour de manière annuelle à partir de l'an passé. Voilà, je laisse la parole à Stéphane pour continuer sur le véhicule électrique. Merci Luc, belle transition. Effectivement, donc l'année dernière, on a travaillé sur la voiture électrique et surtout ses bornes de recharge à l'échelle de l'agglomération de Mulhouse et plus largement du Sud Alsace et du Haut-Rhin pour avoir les idées plus claires et pour mieux connaître les enjeux du déploiement de ces bornes. Donc, dans un premier temps, on a regardé un petit peu la dynamique qu'il y avait par rapport à la voiture électrique. Ça a été précisé dans la présentation d'avant. On a un boom actuellement des ventes de voitures électriques, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2009, lors du Grenelle, il y a eu un objectif chiffré annoncé de 2 millions de véhicules électriques pour 2020. Donc, en 2009, on pensait qu'il y aurait 2 millions de véhicules électriques en 2020. Aujourd'hui, on en est loin. On a 400 à 500 000 véhicules électriques en France, mais la dynamique est particulièrement forte. Et pourquoi on a ce décollage? Tout d'abord, on a eu les scandales du Dieselgate dans les années 2015, qui a généré notamment de nouvelles normes en termes d'émissions de CO2 au niveau européen, au niveau des véhicules, donc qui a contraint les constructeurs à étoffer leur gamme avec des véhicules électriques pour ne pas payer de pénalité. On a également les zones à faible émission qui vont se déployer, qui devraient se déployer progressivement. On a une réglementation qui évolue beaucoup, on a l'interdiction à la vente des voitures thermiques à un horizon 2040. Donc, je dirais, il y a un alignement des planètes pour le véhicule électrique. Et sur la carte de droite, on a présenté, du moins, elle présente les parts de marché des ventes de voitures électriques au cours du premier semestre 2020. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au niveau de la Norvège, on a plus de 69% des véhicules qui sont vendus sur le marché norvégien sont électriques. Pourquoi? Parce que l'État norvégien a supprimé les taxes sur les véhicules électriques et d'autre part parce qu'il y a un réseau dense de bornes de recharge à travers tout le pays et une fibre environnementale aussi qui est assez forte. Donc, on a un important développement de la voiture électrique actuellement. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? La réponse est plutôt oui, parce que globalement, les véhicules électriques sont moins émetteurs en termes de CO2 que les véhicules thermiques, même dans la pire des configurations. Par exemple, en Pologne, si en Pologne, on fait circuler une voiture électrique qui a été fabriquée en Chine, ben, on réduit quand même au kilomètre de 29% les émissions de gaz à effet de serre. Pour le pays le plus vertueux au niveau de la Suède, cette réduction serait de 79%. Et cela s'explique par un taux particulièrement élevé d'énergie renouvelable au niveau de la production électrique. En France, on est à moins 77% et au niveau européen, on est sur une moyenne de moins 63%. Donc, on est quand même sur quelque chose, un objet qui est moins générateur de CO2. Mais ce n'est pas la seule réponse. La voiture électrique peut être une brique. Elle ne remet pas en cause, je dirais, l'ordre des modes, l'organisation des modes de transport dans les villes. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une voiture qui est omniprésente, les TC un peu moins présents, les vélos, les piétons qui ne représentent pas énormément de déplacements. En 2030, il faudra que le piéton, le vélo, les transports en commun se développent, qui génèrent au moins 60% des déplacements, et les déplacements restants, résiduels, qui nécessiteront encore l'utilisation de la voiture, vont se faire en voiture électrique. Donc, la voiture électrique est une partie de la solution. Et une voiture électrique, elle a besoin de bornes de recharge. En effet, les utilisateurs, à 45%, nous disent « Ah ben, en fait, quand on se déplace avec un véhicule électrique, ben, on
et inquiet de ne pas trouver de borne de recharge au cours du déplacement. Donc, ils font un maillage de bornes. Mais toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il en faut un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Donc, il faut vraiment se poser la question des puissances et des localisations de bornes et qui déterminent les usages. Par exemple, à domicile ou en entreprise, on peut avoir des bornes de recharge lente qui sont faiblement puissantes et qui chargent le véhicule sur des durées de 6 à 8 heures. Donc là, on est dans la recharge standard. Par contre, quand on fait ses courses au supermarché ou qu'on se rend dans un centre-ville, il vaudrait mieux avoir des bornes semi-accélérées de 22 ou 24 kW qui permettent de recharger un véhicule entre 1 et 3 heures, le temps de faire ses achats, le temps d'aller au restaurant. Et on a le besoin spécifique des bornes de recharge rapide, où là, on est plus sur des bornes localisées sur autoroute, où on est capable de charger un véhicule en une demi-heure. Alors, ces bornes de recharge rapide sont les bornes les plus énergivores, parce qu'en termes de puissance appelée, elles génèrent une consommation équivalente à un pâté de maison. Hein. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, sur le schéma de droite, on a présenté quelques exemples de fonctionnement. Par exemple, pour le quotidien, je charge à la maison, à domicile, en faible puissance. Je recharge au travail en faible puissance et je reviens chez moi où je recharge à faible puissance. Pour faire les courses, j'ai besoin plutôt d'une recharge accélérée pendant la durée de mes achats. Et pour un déplacement de loisirs, par exemple, je me rends à un restaurant, j'ai besoin d'une recharge assez rapide, le temps de prendre mon repas. Et après, si je fais une balade l'après-midi, ben là, je peux avoir une recharge super accélérée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes publiques, les bornes qu'on voit dans les rues, sur les parkings, sont des charges d'appoint, puisqu'aujourd'hui, 90% des recharges s'effectuent à la maison, à domicile. Donc, une fois qu'on a posé ce cadre théorique, on a regardé où on en était à l'échelle du Haut-Rhin et à l'échelle de L2A. Au niveau Haut-Rhin, on comptait en 2020 150 bornes, dont 30 localisées sur L2A. Et là, sur la carte, vous avez des couleurs différentes. Et ces couleurs différentes correspondent à des opérateurs de recharge différents. Par exemple, à Saint-Louis Agglomération, vous avez le réseau EasyBorn porté par Saint-Louis Agglomération. En vert, vous avez, c'est en rose, vous avez le réseau FreshMile, qui est très présent sur Mulhouse, qu'on retrouve également sur Colmar. Vous avez Tesla également, qui a ses propres bornes réservées à ses clients. Vous avez la grande distribution, donc il y a de multiples opérateurs. Il y a de multiples initiatives aussi au niveau des territoires, bon, principalement sur L2A et sur Saint-Louis Agglomération. Les autres territoires du Sud-Alsace sont plutôt dans une logique de vouloir faire, mais de ne pas s'être encore engagé à un déploiement massif de bornes de recharge. Donc, on a multiples opérateurs et initiatives. Et au-delà de ce constat, on peut se poser la question, est-ce qu'on a suffisamment de bornes dans notre territoire? Donc, aujourd'hui, on a un ratio qui dit, il faut une borne de recharge sur l'espace public pour 10 véhicules électriques. Donc, il y a le GIREF, qui est une association regroupant les opérateurs de charge, qui a fait un bilan, et dans le Haut-Rhin, on compte en moyenne 22 véhicules électriques par borne. Donc, on serait en situation de pénurie, on n'aurait pas suffisamment de bornes par rapport au parc de voitures électriques. Alors, on s'est amusé à faire une petite projection, un horizon long terme, de véhicules électriques au niveau de L2A. Aujourd'hui, il y a 144 000 voitures au niveau de l'agglomération de Mulhouse. Et on s'est dit, si le véhicule électrique représente 10% du parc, ça fait 14 000 voitures. Or, s'il faut une borne pour 10 véhicules électriques, il faut 1400 bornes. Par contre, on peut supposer qu'à un horizon 2030, les batteries auront fait des progrès. On peut se dire qu'une borne pour 50 véhicules électriques devrait suffire. Donc là, on tomberait à 286 bornes. On a fait ce travail, un peu de raisonnement par l'absurde pour toutes les situations.
Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura un besoin massif de bornes de recharge, vu que les constructeurs automobiles sont aujourd'hui dans une logique de massifier leur gamme de modèles de véhicules électriques et leur production pour répondre aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et également pour ne pas payer de pénalité. Donc, par rapport à ce constat et par rapport à ce développement qui normalement devrait être exponentiel de la voiture électrique, quelles préconisations on peut faire pour le territoire? Un, c'est élaborer un schéma directeur de borne de recharge à l'échelle de M2A, voire du Sud-Alsace. Deux, c'est bien comprendre les enjeux de court et de long terme, c'est-à-dire qu'à court terme, il faut un déploiement progressif de bornes de recharge, mais à long terme, il va se poser des questions par rapport à la recharge des véhicules électriques pour les personnes notamment résidant dans des copropriétés ne disposant pas de parking. Donc, il va falloir proposer des solutions de recharge au niveau des villes, au niveau des territoires. Par rapport à ces secteurs, entre guillemets, compliqués. Donc, c'est le défi des prochaines années qui est devant nous. Donc, voilà, ouais, on nous a fait un panorama, une sorte de melting pot de différentes études. L'idée, ça a été vraiment d'avoir une première vision, elle n'est pas forcément exhaustive. Mais normalement, elle a dû susciter un certain nombre de questions ou de commentaires. On pourra Oui, essayer d'y répondre. il y a eu quelques questions, des commentaires, des remarques. Alors, j'ai répondu quand je le pouvais à certaines questions. Certaines questions ont fait l'objet d'une réponse par Stéphane ou Luc. Alors, je vais juste relayer deux, trois informations, deux, trois questions qui n'ont pas forcément eu de réponse. D'abord, une remarque, c'est Madame Muguet qui a dû partir, hein, qui est de l'association de Bike in the City. Et qui a beaucoup de questions d'une partie livrée, donc travailler la logistique urbaine. Donc je pense que ce serait intéressant de la rencontrer parce qu'elle a beaucoup d'informations peut-être à nous donner. Elle souhaitait savoir notamment si notre schéma directeur des pistes, des aménagements cyclables, est-ce qu'il y avait un aspect qualitatif au-delà de la bande cyclable, la piste cyclable, savoir est-ce qu'il y avait vraiment des questions qualitatives. Donc là, il n'y a pas de réponse, mais je vous laisserai répondre au niveau justement de détail de ce schéma. Hein, c'est vrai qu'après, on rentre dans la dentelle, ce n'est pas évident. Et une autre question de Soléa, savoir si dans nos analyses, on prend bien en compte tout ce qui est transport à la demande, hors en fait transport lourd. Hein, on a le tramway, on a les bus et puis il y a les trams-trams, mais il y a aussi le reste. Ce sont les deux principales questions. Après, il y a d'autres marques, mais si vous voulez après lever la main, intervenir directement pour qu'on puisse aussi vous voir et avoir autre chose qu'un écran noir avec plein de noms, ça serait bien aussi. Voilà, Stéphane et Luc, je vous laisse répondre à ces deux questions. Sur le schéma, le schéma directeur cyclable, l'idée, ça a été de donner des principes d'itinéraire. Il n'y a pas de déclinaison par rapport à tel secteur. Bien, voilà. Il faut plus une piste cyclable, là c'est plutôt de la bande, là c'est plutôt de la zone de rencontre. Il n'y a pas de volet mis en œuvre. Mais toutefois, il y a pas mal de débats, pas mal de questionnements aujourd'hui, notamment par rapport à la logistique urbaine. Si elle devait se développer par du vélo cargo, c'est nos pistes cyclables, est-ce qu'elles sont suffisamment larges? Est-ce qu'il faut réfléchir à des pistes cyclables un peu plus larges pour permettre le déplacement de ces vélos cargo? Donc, il y a pas mal de. Je dirais, la piste cyclable, elle est à la croisée des chemins. Luc, je ne sais pas si tu voulais compléter par rapport à. Après, au niveau des chiffres qu'on sort, c'est voilà, dès qu'on a la création d'une piste ou d'une bande, on considère que le schéma, enfin, qu'on avance dans le schéma, je veux dire. On a deux terminologies, hein, les secteurs de proximité et les secteurs structurants, mais on n'a pas d'informations particulièrement sur le qualitatif. C'est-à-dire que c'est M2A pour nous qui maintenant trace les nouveaux secteurs quand ils ont des remontées, enfin, avec les remontées d'informations. Mais non, on n'a pas forcément d'informations sur le qualitatif en tant que tel.
Par contre, sur la question de Solaire, justement par rapport au travail cartographique, nous, les données qu'on a mobilisées dans le panorama des mobilités, quand on dit il y a X personnes, je sais plus 60%, 50% qui sont couverts par un réseau de bus structurant, c'est les bus qui présentent un certain niveau de fréquence, c'est les trams et les gares TER cadencées. Après, on est capable d'avoir des éléments sur les autres couvertures, sur les arrêts TAD, sur les arrêts de bus. Mais après, c'est des données qu'on ne mobilise pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de vive voix ou des personnes qui ont posé une question dans le chat et qui voudraient la poser directement? Alors, il y a une main qui se lève. Allez-y. Monsieur Groff. Vous vous présentez juste comme pour qu'on vous connaisse. Voilà, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Oui, merci. Bonjour. Alain Groff, directeur de la mobilité au canton de Bâle-Ville. Alors, tout d'abord, merci pour ces présentations très intéressantes. Ce que j'aurais aimé savoir, vous avez montré, M. Dreyer, que le niveau de fréquentation des transports publics est plutôt stagnant ces dernières années. Alors, où en sont vos projets de développement du réseau TC? Est-ce que le tram-train va évoluer? Est-ce qu'il y a d'autres projets pour faire évoluer le réseau urbain ou le réseau de l'agglomération? Alors, moi, je peux vous apporter une réponse de chargé d'études. Je vais peut-être laisser après peut-être monsieur Weisberg, si vous souhaitez éventuellement compléter ma réponse. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la collectivité prend à bras-le-corps la problématique des mobilités et il y a une démarche en cours pour réaliser un schéma directeur des mobilités durables. Donc, les questions d'extension tramway, de ferroviaire, d'autocar, de gratuité, de développement du cyclable, de ville apaisée, tous ces éléments-là vont être questionnés, débattus dans un contexte financier, comme vous l'imaginez, particulièrement contraint au niveau de la collectivité. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que, M. Weisberg, vous souhaitez éventuellement compléter? Ouais, oui, bonjour. Je n'avais pas prévu de parler, mais ce n'est pas très grave. En fait, je suis bien content que M. Groff soit là. L'année dernière, j'avais été à Bâle à la conférence Trion. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette conférence. C'était chez vous l'an dernier, je ne sais même pas si vous y étiez, en fait. Et je voudrais répondre à Mme Place au sujet des camions de livraison. Alors, Bâle nous avait présenté un truc. Il prévoit ou vous prévoyez de changer l'ensemble des bennes à ordures par des bennes à ordures électriques. Est-ce que c'est toujours exact? Vous nous avez montré de belles diapos où on voyait des oiseaux, on devait théoriquement entendre des oiseaux. Après, une autre chose, effectivement, le développement du réseau tram, pour nous, il est important. Il avait été en 2008, il me semble, ou 2010, déjà prévu une extension vers Kingersheim-Wittenheim. Il faut absolument, pour nous, continuer cette histoire. Dans le même ordre d'idée, en parlant de vélo, j'ai un vélo normal, j'ai un vélo électrique, mon épouse également. Je me fais le plus de vélos possible, mais on ne peut pas uniquement ne penser qu'au vélo. Voilà, vous dites, on a avec 5 millions d'euros, on a X kilomètres de pistes cyclables, très bien. Mais moi, je vois mal la ménagère de 50 ans, chère aux téléspectateurs, monter un jour au Mönchberg à bicyclette. Ça me paraît difficile. On ne peut pas parler que d'une chose. Très bien, les pistes cyclables, moi je suis adepte à 100% et j'ai un ami dans la salle, salut Raphaël, qui me contredira certainement pas. Voilà, le développement du réseau, pour moi, il est très important. Il faut même continuer en allant plus vers Saint-Louis, arriver vraiment à optimiser tous ces réseaux, Saint-Louis, Colmar, les vallées vosgiennes, voilà. Il faut même parler plus que le niveau uniquement M2A.
J'ai été un peu touffu, un peu bizarre, mais voilà. Je vous ai endormi. Non. Merci pour ces Alors, précisions. je fais juste une remarque. Il y a beaucoup de questions et de remarques liées à la logistique urbaine. Alors, il se trouve que Stéphane et Didier Tavern, qui est le directeur des études socio-économiques, sont en train de finaliser une mission sur la logistique urbaine, la grande logistique, la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. Donc, il y a certaines de vos questions qui auront réponse dans ce document, qui est un premier document qui pourrait amener à des approfondissements, parce que c'est un sujet très, très vaste, qui parle aussi de ZFE, zone à faible émission, de voitures, enfin, hydrogène, enfin, d'études hydrogène. Enfin, voilà, ça traite beaucoup, beaucoup de sujets. Et donc, ce sera à la rentrée, ce sera en Alors, ligne, quoi. À la rentrée, ce sera en ligne. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel on pourra aussi faire un avant-midi ou présenter plus largement aux instances, ce qui nous plaît aussi, de pouvoir valoriser nos travaux dans d'autres cercles possibles. Est-ce qu'il y a des questions à main levée? Est-ce que on a répondu à peu près à tout? je peux Oui. compléter peut-être sur la logistique urbaine. La logistique urbaine, elle est un peu la croisée des chemins. Elle est la croisée des chemins pour deux choses. Première chose, c'est que les habitudes de consommer évoluent. Toujours le schéma classique, je vais dans un commerce, j'achète, je rentre chez moi avec le produit que j'ai acheté. Mais il y a le deuxième mode de consommer qui se développe de plus en plus. Je commande sur Internet mon repas, mon colis, je me fais livrer chez moi ou dans une consigne relais ou dans un relais colis. Et cette logistique-là, ben, elle impacte également l'organisation de la logistique urbaine. Donc, première chose. Et deuxième chose, c'est vraiment les évolutions des normes environnementales. Donc, avec les projets de loi de mise en place de zones à faible émission mobilité, voilà, ça re-questionne aussi par rapport à l'accessibilité des véhicules polluants, camions, camionnettes au niveau de la collectivité. Donc, il y a parallèlement un plan hydrogène au niveau français, comme au niveau suisse, ils développent des camions hydrogène et en Allemagne. Donc, il y a un enjeu de décarboner les flottes, et ça va être sans doute l'un des gros sujets aussi des prochaines années, de la décennie. Il y a une deuxième publication aussi qui est prévue sur la filière hydrogène au niveau région Lusienne et Sud-Alsace, parce qu'il y a des questions dans ce sens dans le chat. Donc pareil, D'accord. ça sera À la à rentrée. la rentrée. Donc tout à la rentrée. Voilà. Je sais pas, mais là, vous avez encore une question ou des remarques? Oui, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Françoise Heller d'Alsace Active. Je serais intéressé pour ma part, étant donné que j'accompagne l'émergence de projets plutôt de création, d'émergence d'activités d'utilité sociale, donc qui relèvent plutôt de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous envisagez, pour accompagner en fait vos préconisations par rapport au changement des modes de transport, la nécessité de création de nouvelles filières locales, de nouveaux métiers en lien avec peut-être l'entretien, voilà, de nécessaires soutiens dans notre tissu d'activité locale, hein, de nouveaux métiers pour favoriser ces transitions? Et je ne sais pas si ça relève nécessairement de vos prérogatives, hein, par contre, mais voilà, je serais intéressé, moi, plutôt par ces sujets-là. Est-ce que vous auriez des préconisations à nous partager en termes de création d'activités? Alors, aujourd'hui, dans les études qu'on a faites, c'est avant tout un état des lieux, des questionnements, des pistes d'action. Donc, on n'est pas rentré dans un niveau encore très fin, mais au niveau de la collectivité, au niveau de M2A et de son service développement économique, il y a la volonté de travailler plus finement, justement, par rapport à la problématique de la décarbonation des flottes camions, par rapport à la logistique décarbonée, etc. Donc, ça a des implications, alors soit en zone infra, matériel, etc., station de recharge, mais ça a aussi des impacts au niveau, effectivement, de la formation des personnes, des habilitations, des qualifications, d'insertion. Mais tous ces sujets-là, je pense qu'ils vont être,
ils vont être abordés ces prochains temps, ces prochaines années. Ça va être l'un des grands sujets. Indirectement, c'est vrai qu'on peut travailler sur des sujets. Par exemple, on a une mission pour cette année sur les questions d'électronisme. Et on peut dire, bah, quel est le sujet avec les mobilités? Mais maintenant, avec un smartphone, on peut faire plein de choses. On peut être plus facilement, on peut payer plus facilement, on peut avoir accès au compte des mobilités. Donc, c'est aussi tout un chaînage qui est important à prendre en compte. Pareil, on a travaillé sur avec les centres sociaux culturels de l'agglomération sur la question parmi les actions, apprendre à faire du vélo. Voilà, donc on a une entrée, nous, on n'est pas dans l'opérationnel pur, mais on peut, par d'autres biais aussi, avoir des préconisations qui entrent justement par une meilleure prise en compte, une meilleure pratique des mobilités durables. Donc c'est indirect, mais à force, on va un peu les petites rivières, on va faire un gros fleuve pour faire changer les pratiques. On est tous en fait à l'avance si on est là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est notre souhait de faire avancer les choses. Merci. Je pense qu'il est midi. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Monsieur Engasser, je vous vois. D'habitude, vous intervenez souvent. Il y a quand même quelques élus. Donc, c'est ce que vous avez de remarques par rapport à des sujets ou des questionnements dans votre pratique du territoire. Voilà, puis peut-être le mot de la fin, puisque vous êtes aussi administrateur de l'agence. En général, je vous donne le mot du début, là, je vous donne le mot de la fin. Merci. Non, mais moi, la réflexion que j'ai en ce moment, là, c'est justement, bon, ça avait été évoqué, c'est le côté logistique et je ne vois pas trop au sein de l'agglomération. Comment on envisage la logistique du dernier kilomètre et si je suis le raisonnement un peu qui a été présenté et les exemples avec Gand notamment où on essaye d'empêcher la présence de la voiture dans la ville parce que c'est finalement le principal problème de notre société, c'est la voiture. Après, les solutions derrière, elles existent déjà, hein, le vélo, enfin tout ce qui a été évoqué. Et c'est vrai que quand on parcourt certaines communes, notamment Mulhouse ou même d'autres, bon, c'est de la provocation, mais il y a trop de rues, quoi. Il y a trop de rues accessibles aux voitures, il y a trop de places de parking pour les voitures. Et si on veut aller vers là, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais s'il y a moins de voitures en ville, s'il y a plus de rues piétonnes, il y a quand même cette complexité de la gestion du dernier kilomètre. Et un des éléments pour gérer la gestion de ce dernier kilomètre en logistique, c'est d'avoir un entrepôt, mais vraiment collé à la ville, quoi, collé aux habitants. Et moi, je voulais savoir s'il y avait des réflexions en ce sens, quoi, parce que on a des vrais potentiels, des gens fonciers contre la ville et au bord des autoroutes, mais je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, si c'est vraiment une réflexion, quoi. Enfin, pour être un peu plus clair, je ne sais pas si je le suis, mais on ne peut pas envisager des changements, et il en faut, c'est-à-dire intégrer un tram, plus de pistes cyclables, plus de rues piétonnes, sans derrière, c'est ce que disait la personne tout à l'heure, sans derrière créer des nouveaux services ou des nouveaux métiers qui permettent la continuité des services et le bien-être des habitants. Alors, pour répondre à cette question, dans l'étude logistique qui va sortir à la rentrée, on aborde la question du fameux centre de distribution urbain. Non, je ne sais pas. Il y a eu Didier Taverne, qui a fait toute une analyse un peu économique du pour, du contre. Alors, sur le papier, ça peut sembler vachement bien. La mise en œuvre, elle est quand même très complexe. On n'est pas non plus forcément obligé de passer par un centre de distribution urbain avec un lieu unique ou des lieux uniques, avec une grosse mutualisation, mais on peut avoir un fonctionnement en bonne intelligence, c'est-à-dire pourquoi pas mutualiser un certain nombre de stockages. On peut avoir 3, 4, 5 commerces qui se mettent ensemble pour avoir un seul entrepôt, pas trop loin du centre-ville, et qui permettent d'approvisionner les commerces de centre-ville. Donc, toutes ces pistes-là, on les explore sans pour autant avoir une réponse. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire s'il faut un CDU sur la ville de Mulhouse à tel endroit de tant de mètres carrés.
ça nécessite un travail, c'est le message aussi qu'on fait passer, un travail plus fin avec les acteurs de terrain et voir ce qu'il est possible de faire ensemble, voir ce qui ne l'est pas. Par exemple, Pardon. Non, je viens de penser à un élément, c'est la brique 48 à DMC, qui d'une certaine manière souhaite regrouper des matières premières pour les revendre dans son site. C'est quelque part, c'est aussi une solution logistique, quoi. C'est un peu un état d'esprit. C'est ce que vous dites. On n'est pas obligé de faire un gros machin, mais s'il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises, plusieurs commerces qui veulent travailler ensemble, diminuer leurs coûts. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui va jouer et qui va re-questionner la logistique urbaine, c'est le click and collect. C'est-à-dire que si c'est une pratique qui se développe, les commerces vont devoir avoir plus de références, mais elles ne pourront pas toutes les présenter dans leur commerce. Donc, il va falloir avoir des lieux de stockage pas très loin du commerce pour pouvoir proposer ensuite le produit qui a été commandé par le client. Par contre, ça suppose de travailler sur la logistique urbaine, de prendre en compte le desserrement logistique qui est actuellement en cours, c'est-à-dire que les entrepôts ont tendance à s'éloigner des centres-villes. Et pour un certain nombre d'entre eux, il faudrait à nouveau les rapprocher. Donc, il y a une question foncière qui est également importante, et une question aussi de la façon de faire. Avoir un CDU avec de gros camions en pleine ville, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un travail de finesse d'aménagement, d'urbanisme au niveau de la ville. Mais pour ça, il faut vraiment travailler avec les acteurs, les gens du terrain, qui pourront dire ça, c'est mutualisable, ça, n'y pensez même pas, ce n'est pas dans notre logique économique. Je pense notamment, par exemple, à Monoprix. Eux, ils sont livrés par des semis. Il y a un semis par jour, le matin. Ils ont leur propre centrale logistique. Je pense qu'eux ne mutualiseront pas. Ils ont des contraintes de chaîne du froid, etc. Par contre, on peut imaginer qu'une librairie indépendante, un vendeur de matériel de bureau, un vendeur de produits d'intérieur, de décoration d'intérieur, eux, typiquement, ils pourraient mutualiser en gagnant de l'argent. Il faut qu'il y ait un intérêt économique pour eux. Bien sûr. Et qu'il y ait un intérêt en termes d'image aussi. Moi, je crois beaucoup à l'ambiance urbaine et à l'ambiance de la logistique urbaine avec des vélos cargo électriques. Moi, ça peut participer d'une ambiance, d'un truc vraiment, vraiment sympa, ludique pour les habitants, pour les enfants. On fait coup double, coup triple, on anime la ville, on génère moins de nuisances et on est vertueux par rapport aux problématiques environnementales. Mais c'est un vaste sujet. Oui, c'est un sujet, en fait, si on est dans l'avant-midi, avant la publication. Voilà, mais c'est très intéressant. Alors, il y a une demande de prise de parole. Peut-être la dernière, avant, parce qu'il est midi 10 presque et ça commence à se déconnecter. Monsieur Didier Rift. Oui, je souhaite intervenir en tant qu'un professionnel de la logistique urbaine. J'ai bien entendu ce qui vient d'être présenté, hein, mais sachez quand même que dans le cadre de la mise en place des politiques ZFE dans les agglomérations, hein, sur lesquelles nous allons être concernés, puisque toutes les villes de plus de 150 000 habitants devront appliquer la loi climat qui impose des zones ZFE d'ici, aujourd'hui on dit d'ici 2025. Et dans le cadre de cette politique, il y a une entreprise qui a été créée avec la Banque des Territoires, qui propose à ces agglomérations une politique de logistique urbaine. Alors, la politique de logistique urbaine, elle passe en fait par un non-choix pour les intervenants de la logistique dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'il faut organiser des entrepôts, il y a des entrepôts principaux et des entrepôts secondaires, et l'accès dans les centres-villes pour toutes les activités de logistique et les activités d'e-commerce ne pourront se faire que via cette société.
Strasbourg, par exemple, est en train de mettre en place ce dispositif, en rajoutant d'ailleurs du transport fluvial. Hein, donc, je crois qu'il faut prendre conscience que la logistique urbaine, ça sera totalement lié avec la zone ZFE, et ce sera une contrainte qui sera imposée pour toutes les livraisons dans ces zones. Ce n'est pas simplement… il n'y aura pas de choix. Il n'y aura pas de choix, hein, ce sera du tout ou rien. Et tous les intervenants professionnels devront s'associer à ces dispositifs. Sinon, effectivement, il n'y aura pas d'équilibre économique et les objectifs ne seront pas atteints. Tout état de cause, ces professionnels de l'immobilier, ces professionnels logistiques ne pourront pas investir systématiquement dans du transport propre pour intervenir dans les centres-villes. Donc, obligatoirement, ils devront passer par un dispositif mutualisé qui seront organisés au sein des agglomérations. Aujourd'hui, il y a 22 villes en France qui se lancent dans ce dispositif. Et donc, il va prendre de l'ampleur et c'est totalement lié aux zones à faible émission. Très bien. Un beau sujet aussi. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et c'est dans les questions que l'on devra traiter dans les prochains mois.